Good morgen, allez, Idan et tu seras aujourd'hui le Lonishmat. Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claudie Israël Ben Fortune Mazal, Adem Miriam Metelezé Sayak et Sigmund Ben Moshe. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhat Yuma, Perek Gimel Mishnahé. Ktoret Shel Shachar Aïta Kereva Ben Dam La Evarim Shel Ben Ha'arbaim Ben Evarim La Nesachim. אם היה כהן גדול זקן או חולה, זקן או הסתניס, מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפוג צינתן. Je traduis directement en expliquant ensuite le premier sujet. Ktoret shel shachar, l'encens du matin, aita kreva ben dam la evarim. Il fallait l'apporter entre le moment où on asperge le sang et le moment où on apporte ensuite les membres du olat tamid, du korban olat du matin. Tandis que Shel Ben Arbaim, l'actorette de l'après-midi, de Ben Arbaim, donc du soir, de l'après-midi, il fallait l'apporter entre Ben Evarim, la Nesachim, entre le moment où on fait monter les membres de la Ola sur le Misbéar, et le moment où ensuite on va apporter les oblations de semoule et de vin. Soit, on explique, c'est très simple, d'abord, premièrement, quand on fait un Korban Tamid, il va falloir égorger l'animal, faire toute la voda du dam, du sang, égorger, réceptionner, aller et asperger sur le misber. Donc, là, ça c'est la voda du sang. Une fois qu'on a fini, les kohanim le dissèquent, il y avait là-bas des responsables de ça, ils le disséquaient, ils le coupaient en morceaux, et puis il fallait le faire monter sur le misber. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah, dam et evarim. Dam, c'est lorsque toute la voda du sang, jusqu'à asperger le sang, et après, evarim, c'est lorsqu'on fait monter les membres, littéralement, les varim, c'est les membres, lorsqu'on fait monter les membres sur le misbar pour les brûler. En deux mots, la Mishnah me dit, ben, tu sais, le matin, il faut faire une interruption entre les deux. Tandis que l'après-midi, alors je continue, une fois qu'on a porté le korban tamid, ça vous le savez très bien, qu'il faut toujours apporter une mincha de solette et une mincha de vin, après chaque korban, la plupart des korbanot en tout cas, pour la hola vadaï qu'il fallait le faire. Apporter une oblation de semoule, de farine, et une oblation de vin, les nesachim, toujours on dit dans le korban de moussav. Alors, il faut apporter les nesachim. Donc, ça trois étapes, logiquement. Premièrement, retenez-les bien, dans l'ordre chronologique, il y a le dam, evarim, et ensuite, nesachim. D'accord, Dam, Evarim, Nesachim. Ça, c'est la base. Le sang, les membres et les Nesachim. Et à part ça, dans cette histoire, il va falloir aussi apporter la Ktoret. Et même mieux, je vais vous rajouter encore quelque chose, c'est les Nerot. Mais les Nerot, on les laisse de côté pour le moment. La Mishnah ne l'a pas mentionné, bien qu'on l'a pris dans la Mishnah précédente. Le but de la Mishnah n'est pas de nous donner l'ordre chronologique de toutes les étapes, mais juste de nous dire, en fait, en deux mots, qu'entre Dam et Evarim du matin, tu dois faire marquer une interruption. Tu ne les fais pas, le Dam et Evarim suivi. Entre le Dam et Evarim, tu vas faire l'actorette au milieu. Mais en réalité, quand j'ai dit de faire l'actorette, il y a aussi les Nerot, comme c'est écrit dans la Mishnah précédente. Donc en fait, étant dit que dans l'après-midi, tu pourras faire Dam et Evarim en suivi, et par contre, tu feras l'actorette après, avant les Nesachim. Cette fois-ci, l'interruption, tu dois la faire entre les Evarim et les Nesachim. Les Nerot, si ça vous intéresse, pour l'après-midi, c'est en dernière position, c'est la dernière avoda qu'on fait. Et le matin, hein, alors on avait déjà appris dans la Mishnah précédente, en fait, on a commencé à le faire un petit peu avant le dam, et puis on a continué ensuite. Il y avait dam, nerot et ktoret. C'était comme ça que c'était rapporté. La four. Dam, ktoret et nerot. C'était rapporté. Selon l'ordre qu'on rencontre lorsqu'on entre dans le Echal. Dans l'Echal, on rencontre d'abord le misber, et puis après, on rencontre la menorah. Donc en fait, la Mishnah, elle me dit, dans cette première partie, la ktoret du matin, c'était entre dam et evarim. C'est déduit tout ça d'un pasouk. Parce que l'actorette, il y a écrit Baboker, Baboker, au Betamid, au Betamid, Chad Boker, Chad Baboker. Dans l'actorette, elle doit être faite Baboker, Baboker. Ah, c'est tout un limoud très très original qui est déduit dans la Gemara. Comment c'est déduit? Mais en tout cas, il fallait, en deux mots, c'est déduit qu'il fallait, on va pas trop compliquer quoi, il fallait marquer une interruption entre les deux. D'accord? Deuxième partie de la Mishnah, on reprend le cours maintenant de la Avoda de Yom Kippour. On a fini le premier tronçon. Vous vous rappelez ce qu'on avait introduit dans la Mishnah Gimel, je crois? On avait expliqué qu'il y avait, dans la journée, il y avait 5 tronçons de Avoda.
Big des aves, big des lavanes, big des aves, big des lavanes, big des aves. Soit les vêtements en or, et d'accord, les 8 habits du Kohen Gadol, et les vêtements en lin dans lesquels il va entrer faire l'avoda spécifique de Yom Kippour, dans ce qu'il va entrer pour faire le rituel dans le Kodesh HaKodashim. Concrètement, il va falloir entrer deux fois dans le Kodesh HaKodashim. La première fois, c'est la fois essentielle où il va faire tout le rituel avec les aspersions du sang, comme on dit à Yom Kippour, Achat, Achat V'Achat, Achat V'Shtayim, Achat V'Shalosh. On répète ça 10 fois, vous allez tout comprendre, Bezrat Hashem, dans Maseret Yoma. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Tout ça, c'est la Avodot Pnim quand il avait les Big Delavan. Et après, à part ça, il y a une deuxième fois, plus tard dans la journée, il devra rentrer une deuxième fois pour juste aller récupérer la Marta, la petite pelle qu'il y avait dedans, comme on le verra, bien sûr, plus tard. Je prévois en fait mon coup pour dans 2 Mishnayot, pour vous reverrez déjà tout ça. Donc en fait, on a fini pour le premier, donc la Avodat Trout, pour le moment, ce qu'elle a fait le matin, c'était purement la Avodat spécifique à tous les matins, avec les Big des Aves. Il a fait le Korban Tamid, il a fait la Tavatanerot, la Ktoret. À présent, ça y est, on va commencer le rituel spécifique de Yom Kippur avec les Big des Lavan. Donc deuxièmement, puisqu'on a déjà fait la deuxième tronçon, il va falloir maintenant faire. Commencer par se tremper au mikvé pour porter les habits blancs ensuite. Alors maintenant, la Mishnah m'enseigne une halakha spécifique au mikvé, à la température du mikvé. Imaya Kohen Gadol Zaken ou Istenis. Si le Kohen Gadol était un vieillard, ou un Istenis, c'est quelqu'un de très sensible, délicat, alors Mechamin lo chamin, on lui faisait chauffer de l'eau chaude apparemment, ou Matilin et Tochatsonen, et on le versait dans l'eau froide, c'est-à-dire le mikvé, bien sûr, il n'y avait pas de chauffage dans l'intérieur du mikvé. Donc la solution qu'ils avaient, c'était de préparer depuis la veille de Yom Kippour de l'eau qui restait chaude, et au moment de se tremper, on lui versait dans le mikvé, on lui versait de l'eau chaude, comme ça il se trempait tout de suite après dedans, et il avait de l'eau plus ou moins tiède. D'accord? Mais Chamin le Chamin, on le faisait chauffer de l'eau, bien sûr, depuis avant, mais Revi Yom Kippour, nous dit le Bartanoura. Et au matin, on le versait dans l'eau froide, pour que leur froid s'estompe. Remarque très importante, rapportée dans Rebbe Akiva Eiger au nom du prix Hadash. Là, on est déjà on est en train de préparer la deuxième Dvila, puisqu'il s'est déjà trempé une première fois là-haut, dans la Mishnah Gimel, donc dans la Mishnah Dalet. Là, Mishnah, tu me dis qu'il va se tremper une deuxième fois, et là, tu me commences à raconter, enfin, on prépare la Dvila de la Mishnah Vav, en fait, qu'on va voir tout de suite. Et là, tu te rappelles à me dire qu'il fallait lui chauffer l'eau, donc au début, tu n'avais pas le droit de chauffer l'eau. Effectivement, il y a deux interprétations d'abord, j'ai oublié de préciser avant, deux interprétations de comment est-ce qu'on chauffait l'eau. Soit on versait de l'eau chaude, soit il y en a un qui rapporte qu'on chauffait deux morceaux de fer, de piques de fer, comme ça, qu'on les laissait depuis, sur les braises depuis avant Kippour. Et puis le matin, on les trempait dans l'eau. Il y a dans cet interdit, un certain interdit, Midera Rabbanan de Metzaref, on ne va pas entrer dedans, mais de manière générale, du fer froid, chaud, qu'on trempe directement dans l'eau froide, il se durcit. Ça s'appelle Avodat Tzirouf, Metzaref, dans la Tzirouf Malacha. Donc là, il y avait techniquement, il y avait un problème de le faire pendant Yom Kippour, en théorie, et la réponse est que on lève l'interdit dans l'interdit Midera Rabbanan, on l'élève dans la Hazara, pour tout ce qui concerne au travaux de rituel du Beth Amidash, on le lève. En l'occurrence, vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on avait dit que la première Dvila, il ne la faisait pas Bema comme Kadosh, il n'était pas obligé d'entrer au Beth Aparva pour aller faire la Dvila. Il pouvait la faire là où il dormait. Là où il dormait, c'était pas Kadosh, il n'avait pas le droit de faire de transgression d'interdit de Rabbanan. Lorsqu'il va se tremper pour la deuxième Dvila, hein, alors là, il se retrouve dans Bema comme Kadosh, là, tu es au Beth Amidash. Là, il n'y a plus d'interdit Midarabadan. Enjvout Bamigdash pour ce qui concerne la Vodot Midarabadan. D'accord? Comme ça, c'est rapporté ici, donc, dans Rabbi Akiva Eiger, au nom du prix Hadash. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. L'aim de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.